Je suis le fantôme rose. Ah, et je vais anéantir le fantôme bleu. Je crois pas du tout. Non, le fantôme bleu est beaucoup plus fort. Regarde. Ah, mais Noé, tu m'as donné un coup vraiment très très fort. Oui, c'était aujourd'hui que j'étais plus forte que toi. Ah bon, c'est ce qu'on va voir. Wouhou. Ah là là, arrête. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce rafut ici? Vous jouez encore au fantôme, les filles? Oui, maman, on joue encore au fantôme. Et tu sais, Noé a dit que le fantôme bleu était beaucoup plus fort que le fantôme rose, mais c'est moi qui ai gagné. Je lui ai fait beaucoup de guilis. Ça va, Noé? Ah, non, ça va pas du tout. Oh, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Oh, Noah, c'est une tricheuse. Ne commencez pas à vous chamailler, vous étiez en train de jouer là. Oh là là, dis donc, vos chemises de gymnaste, je crois que je les ai prises un peu grandes. Hein. Oh là là, oui maman, c'est... Oh maman, elle nous enquiquine, elle essaie toujours des choses trop grandes pour quand on sera plus grande. Maman, on a une réclamation à te faire. Oui, et on a une réclamation, on est d'accord toutes les deux là-dessus. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est? Achète-nous des choses à notre taille. D'accord les filles, d'accord, mais il me semble que les juste corps sont à votre taille, hein, non? Fais voir. Oui, le juste corps est parfait. Très bien. Bon, est-ce que vous avez appris des choses à la gym au moins? Oh, oui, un tas de choses maman, est-ce que tu veux qu'on te fasse un spectacle? Oh oui, bien sûr, on va te montrer comment on saute de tout en haut du lit. Oh là là, oh, ça m'angoisse un petit peu, mais d'accord. Alors, regarde maman, regarde. Attends, je vais t'aider pour monter en haut. Oh, attends, d'abord il faut que je te montre, je sais faire le grand écart. Le grand écart, fais voir, vas-y. Regarde ça. Tada. Alors, waouh, tu as dû t'entraîner énormément. Quand j'étais petite aussi, je faisais de la gym et je savais faire le grand écart, mais plus maintenant, plus du tout. Bon, par contre, je crois que je suis coincée. Eh, pousse-toi, Noah. Allez, vite. Je vais montrer à maman comment je saute du lit en faisant le poirier. Oh là là. D'accord, mais je te rappelle, mademoiselle, que la dernière fois que tu l'as fait, ça a fini à l'hôpital. Je sais, mais ah, t'inquiète pas. Allez, c'est bon, allez, après ça, moi. Ne me pousse pas. Oh, ne me poussez pas, madame. Nous, les artistes, avons besoin de concentration. Ah, c'est vrai, maman, on a besoin de te concentrer. Oui, exactement, c'est vrai que ce lit est très très haut. Hein. Bon, d'accord, allez, vas-y, ta concentration, c'est parti. Ah, mais me pousse pas. Oh là là. Ça y est, maman, je le fais. Oh, je tombe. Non, tu le fais très bien, Noé. Garde ton calme. Oh, ça y est, je tiens plus. Aïe. Tu t'es fait mal? Oh, un petit peu, oui. Bon, je vais chercher de la pommade et un pansement. Oui, je crois. Oui, c'est mieux. Bon, d'accord. Je reviens, Noah. Toi, tu tiens pas en faisant le poirier. Et moi, je tiens l'air. Oh là là. Maman, un pansement pour moi aussi. Oh, yoyoy. J'en étais sûre. Bon, alors attention. Kit d'urgence. Oh, mais qu'est-ce que tu nous ramènes là, maman? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh là 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 là, tu es bien équipée. Oh oui, maman, c'est quoi? Alors, tout d'abord, j'ai ramené les pansements Hello Kitty pour Noah. Et les pansements de Ladybug pour Noé. Ok, ça c'est pour la petite blessure que vous venez de vous faire en tombant du lit. Et ensuite, je me suis souvenue, en vous voyant comme ça, à jouer aux fantômes et à vous faire mal, que quand j'étais petite, moi aussi je jouais avec ma sœur à un jeu qui nous amusait énormément. On s'enroulait de bandes et on se déguisait en momie. Et comme vous aimez vous déguiser en fantôme, je pense que ça, vous allez vraiment adorer. D'accord? On va essayer. Et puis comme ça, quand papa rentrera, on pourra lui faire une blague et lui dire que vous êtes tombé et que vous êtes complètement bloqué et que vous devez rester en momie. D'accord? Ah oui, maman. Oh, c'est une excellente idée. Oh, papa va avoir peur. C'est une sacrée balle. Tu es une chippie, maman. Oui, mais ne le dites à personne. Alors, on va commencer avec toi, Noé. Voyons voir. Alors, les enfants, vous pouvez regarder comment on fait. C'est assez rigolo. Et pour Halloween, ça peut vous servir aussi. En déguisement. Alors, on commence à bander le pied. On y va. Tout petit pied. Et petit à petit, on déroule la bande. On déroule.
Oh là là, maman, c'est rigolo parce qu'en plus, c'est tout doux, c'est agréable sur la peau. Oui, c'est vrai, ce n'est pas désagréable. Mais tu vas voir, quand tu vas être complètement enroulée, je ne suis pas sûre que ça te plaise autant. Tu me diras ce que tu en penses. On enroule. On va te laisser une jambe quand même épargnée, d'accord? D'accord, maman. Hop, on continue. Voilà, le torse derrière. On va remonter un petit peu par là, le bras en écharpe. Oh là là, tu crois que papa va vraiment croire que je me suis fait mal comme ça? On verra bien, en tout cas, nous on s'amuse. Ah ça oui, on s'amuse! Alors hop là le bras, et on va monter jusque sur la tête. Attends, attends, attends. Et voilà. Ah, ça me semble bien. On va l'attacher derrière. Ça y est, maman, ça y est, tu prêtes? Oh, je peux même plus bouger. Oh là là. Et oui, je t'avais dit, c'est moins confortable quand même quand c'est terminé. Je vais te ramener une chaise comme si tu étais vraiment à l'hôpital, d'accord? La voilà. Hop, on te positionne dessus. Oh là là, maman, mais prends. C'est un petit qui t'a prêté ça? Oui, exactement. Chut. Et voilà. Oh là là, des souffres, oh des souffres. Oh, j'adore. Oh maman, maman, moi aussi je veux le faire. Allez, s'il te plaît, je veux, 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 je veux. Oui, allez, à ton tour ma chérie, on y va. Alors, transformons notre petite Noah en momie. Voyons voir. Hop, on va essayer de te faire en momie différente de ta sœur quand même. Bah oui. Hop. Voilà, on commence par la tête. Oh, moi ça me pique un petit peu, hein. Oui, toi tu as la peau plus fragile que ta sœur, c'est possible que ça te pique. Mais ça va, tu supportes. Oh oui, 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 je supporte. Et tu arrives à respirer? Oh oui, parce qu'il y a plein de petits trous. Tiens, hop, je te laisse dépasser le nez. Voilà. Ah, là je respire très bien. Par le nez et la bouche, il y a des petits trous, ça me gêne pas du tout. Très bien, c'est très important, hein. Je ne veux pas que tu te transformes en vraie momie. Non, aucune chance, maman. Très bien. Hop. On t'enroule, la petite momie. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Une jambe de ce côté. On repasse dans le dos. Un bras. Et c'est terminé. Voilà, mademoiselle la momie. Oh. Je suis une momie, je suis une momie, Noé. Waouh. Bon, on est des sacrées momies quand même, hein. Bien, il nous manque tout d'abord la chaise. Oh, et j'ai une petite touche finale aussi qui pourrait être sympa. Ça va vous rappeler des souvenirs à toutes les deux. Ton plâtre, tu te rappelles? Oh, oui, oui, je me rappelle. Alors ne bougez pas, je vais chercher tout ça. Alors, hop, en même temps, je vous dis ne bougez pas, mais vous ne pouvez pas tellement bouger. La chaise, et regarde ton plâtre, je l'ai encore. Allez, installe-toi, ma chérie. Ah, merci, maman. On est bien traité dans cet hôpital. Hop, voilà. Et le plâtre. Ah, c'est parfait, les filles, superbe. Bon, surtout, vous dites pas à papa que c'était mon idée. Oh, si, 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 on va lui dire. Allez, chippy. Maman, maman, tu as oublié le plus important, notre pansement. Ah oui, c'est vrai. Alors, votre pansement. On avait dit un de Ladybug pour mademoiselle Noé. Alors, attends, 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 attends. Ladybug, Ladybug, un petit. Oh non, pas un petit. Oh, il reste plus beaucoup de place sur vos corps aussi, les filles. Attendez, il y a de la bande partout. Il faut bien que je mette un petit pansement. Voyons voir. Tiens, celui-ci, il est très, très bien. Je vais le mettre sur ta jambe qui est libre, qui n'est pas bandée. Et voilà, sur ton petit genou. Oh, la pauvre enfant. Et ensuite, de l'autre côté, pour Noah, un pansement Hello Kitty. Sur ta jambe aussi, sur ton pied. On va voir ça. Tiens, sur ta jambe aussi. Voilà, parfait. Bon, je pense qu'on est pas trop mal les filles, d'accord? Oh, oui maman,
C'est moi qui l'appelle. Papa, vite, on a un problème, vite. Oh, on a un énorme problème, papa. Oh là là, les filles, mais j'appelle les secours. Non, papa, non, n'appelle pas les urgences, faut vraiment pas les déranger. Pour ça, c'était une blague, c'est maman qui a eu l'idée même. Oh, les chippies. Maman, quand tu veux, on recommence des blagues de ce genre-là, d'accord? Ah d'accord, c'était une blague. Eh oui, c'était une blague, parce que toi, papa, tu nous fais tout le temps des blagues bien rigolotes. Dis, maman, on pourra se déguiser comme ça pour Halloween, s'il te plaît? Hein? Oui, bien sûr, cool. Mais attends. Halloween, c'est dans vraiment très, très longtemps. Là, on est plus proche du carnaval que d'Halloween, hein? Ah oui, c'est vrai, c'est bientôt le carnaval. Oh, super! Eh, les copains de Super Bébé Land, mettez en commentaire en quoi est-ce que vous voulez qu'on se déguise pour le carnaval, d'accord? Oh oui, et c'est très, mais alors très important que vous vous abonniez à notre chaîne. C'est complètement gratuit, il faut appuyer sur la petite empreinte de pied là-bas. Comme ça, vous serez les premiers à voir les épisodes et nos super aventures. Bisous, à bientôt. Wouhou! Bonjour à tous les enfants, bienvenue à l'école aujourd'hui. Et dans notre petite garderie, là, notre petite réunion du matin, est-ce que quelqu'un veut raconter ce qui se passe de particulier aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est un jour spécial? Oh, moi je sais, maman. Tu peux raconter? Oui, vas-y Noé, vas-y. Je vais raconter à tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est un jour très spécial parce que, bon, ça c'est notre école, notre petite garderie d'enfants où nous, on passe toutes les journées. On adore venir ici. Mais notre maîtresse, elle s'appelle Laura. Et Laura, aujourd'hui, elle est malade. Alors du coup, c'est, quand Laura est malade, c'est ma maman qui vient. Et ma maman, c'est la maîtresse remplaçante. La maîtresse remplaçante, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas compris ce mot remplaçante. Ça veut dire que ma maman, elle remplace, elle vient à la place de la maîtresse qui est malade. Comme ça, bah, c'est ma maman qui fait la classe aujourd'hui, elle va nous apprendre plein de choses. Oh, ça j'adore ta mère, tu le sais. Hein, c'est vrai maman de Noé, j'adore venir chez vous moi. Oui, c'est tout à fait exact, Mara. Il est vrai que toi, et Sarah et Lara, vous voulez les tripler, vous êtes mes voisines et que vous aimez beaucoup venir jouer à la maison. C'est vrai, les petites chippies, vous venez jouer avec mes filles. Alors, vous savez qu'ici, il y a plutôt deux groupes. Les petits frères et sœurs, il y a beaucoup de frères et sœurs. Les plus petits et les plus grands. Donc, on va raconter à ceux qui nous regardent comment va se dérouler la journée aujourd'hui. Nous allons nous travailler avec le bâton de la parole. Regardez ce joli bâton. Il est plein de paillettes, d'étoiles, de lune. Et c'est un bâton de la parole. Celui qui l'a peut parler et les autres doivent l'écouter. Oui, ça c'est une excellente idée, maman, parce que ça évite que tout le monde parle en même temps et que personne ne s'écoute. Donc de cette façon, par exemple, si j'ai le bâton de la parole, je vais parler, les autres vont m'écouter. Exactement, Noah, tu as tout à fait raison. Alors, qui veut commencer à avoir le bâton de la parole? Qui le veut en premier? Apparemment, notre petit loulou là-bas a envie de raconter quelque chose. Alors, il ne parle pas encore beaucoup. Dis-nous ce que tu veux nous raconter, mon loulou. D'accord. Alors, je fais la petite traduction. Ce que veut nous raconter ce petit chouchou, c'est que ce qu'il aime le plus au monde, c'est faire du petit cheval, jouer aux petits chevaux. Tout à l'heure, nous t'emmènerons au parc et tu pourras faire du cheval, d'accord, mon chéri? Ensuite, juste à côté, nous avons notre petite Lara. Lara est la plus petite des triplés. C'est la dernière à être sortie du ventre de sa maman. Il lui a fallu un petit peu plus de temps. Et c'est pour ça qu'elle prend son temps pour grandir. Elle a besoin de se reposer, de beaucoup dormir. Et voilà, elle est adorable. Est-ce que tu as envie de raconter quelque chose, ma chérie? Regarde, c'est ton tour. Et si tu n'as pas envie de parler, tu n'y es pas obligée. Alors? Pas de problème. Alors, à toi, Trésor. Sarah? Oui, je veux bien. Alors, je te donne le bâton de la parole. Retire ta tétine. Et nous t'écoutons. En fait, je crois que j'ai oublié ou que j'ai un peu honte de parler devant tout le monde. Je suis un peu timide. Je crois que je le ferai plus tard. Là, c'est trop tôt pour moi. Oh, eh bien, pas de soucis. C'est très bien d'avoir essayé déjà, ma belle. Et toi alors, Mara, qu'est-ce que tu veux nous dire? Oh là là, moi j'ai toujours beaucoup de choses à dire. Alors.
Bien, 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 Mara. Il faut aussi laisser de la place pour que les autres puissent parler, tu sais. La journée est très très longue, tu as plein de choses à dire, tu auras le temps. Mais là, il faut aussi écouter les autres. Oh, j'ai encore une petite chose à dire, juste une seule, s'il vous plaît, maman. Oui, alors, vas-y. Est-ce que aujourd'hui je peux rester avec les grands? J'ai pas envie de rester avec les petits, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je peux rester avec les grands. Très bien, je te laisserai rester un petit peu avec les grands. D'accord? Alors, tu as quelque chose à nous dire, toi? Oui. Moi, je veux juste te dire que je vais beaucoup mieux parce qu'il y a quelques jours, quand même, j'ai été malade. J'avais plein de petits boutons qui sur mon visage et mon corps. Oh oui, je vois, tu en as encore quelques-uns là. Mais tu n'es plus contagieux, j'espère, hein? Tu ne vas pas nous donner ta varicelle? Oh non, ça y est, je n'ai plus rien du tout. Je ne suis plus contagieux, sinon ma maman ne m'aurait pas remis à l'école. Par contre, ma sœur, elle... Oh oui, eh bien oui, Carla, je vois que tu es mal en point. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est parce que je suis inscrite à un cours de gymnastique rythmique et sportive. C'est génial. Et je fais des roues et des sauts et des équilibres et comme ça. Et... Oh, attention, tu risquerais de te faire encore mal. Oui. Enfin bref, du coup, ben, je suis mal retombée et je me suis cassé le bras. Bon, j'espère qu'ils vont vite me retirer ça parce que j'ai très envie de reprendre les entraînements. J'adore ce sport. Je suis ravie que tu aies trouvé une activité qui te plaise autant. Mais en attendant, on peut continuer à décorer ton plâtre. Il est très joli. On va faire ça aujourd'hui si tu veux, d'accord? On continuera à dessiner dessus. Oh maman, moi j'ai une grande nouvelle à annoncer. Eh bien, j'ai une dent qui bouge. Oh, je suis trop contente, j'ai une dent qui bouge. C'est la première. Fais voir. Oh, effectivement, tu as une petite dent qui bouge. Quand elle sera tombée, il faudra la mettre sous ton oreiller. Peut-être que la petite souris passera. Moi, ça m'arrive jamais tous ces trucs-là. C'est tout doux la première. Ah, Noël, une dent qui boude. Et... Mais attends, Noël. Le bâton de la parole, c'est pour raconter quelque chose qui te concerne toi, pas les autres. Bon, eh bien, alors voilà, j'ai quelque chose à dire. Moi, j'ai pas une dent qui bouge. Pas du tout. Ma dent, elle bouge pas du tout. Ah, et oui, autre chose, maman. Tu sais que j'aime pas les bébés. Moi, ça m'ennuie, les bébés. Oh là 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 là, ils font rien à part pleurer, manger, bah bref. Du coup, me mets pas en assistante des bébés, s'il te plaît. Eh bien, je suis désolée, mademoiselle. Mais chaque jour, il y a un assistant pour les bébés, pour m'aider ou pour aider la maîtresse. Et aujourd'hui, c'est toi. Oh non, j'aime pas du tout que tu sois ma maman et ma prof en même temps. Hein, vivement que Laura revienne. Et ici, nous avons Becca. Vous vous souvenez, les enfants, que Becca a déménagé il y a peu et qu'elle vient de Montréal, au Canada. Alors, Becca, tu as quelque chose à nous dire? Oh, oui. Je voudrais dire que en ce moment, à la maison, il y a mes grands-parents et que du coup, je suis très contente de les voir parce qu'ils me manquent beaucoup et qu'au Canada, en ce moment, oh, il fait très, 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 très froid. Il y a beaucoup de neige. Oh, on est mieux ici. Il fait moins froid. Nous, on a une nouvelle aussi, maman de Noah et Noé, mais c'est une nouvelle à trois. D'accord, alors racontez-nous cette nouvelle. On a Mila, Malo, qui sont les frères jumeaux, et Hugo, qui est le meilleur ami de Malo. Bon, ce petit garçon-là, il veut s'appeler Malo, parce que le mal, mais en fait, il n'est pas méchant pour un sou. Si, on en a déjà parlé, je suis très méchant, maman de Noah et Noé. Hein. Ah oui, c'est ça. Tu n'es pas méchant du tout, monsieur. Mais par contre, tu es vraiment grognon et oui, rabat-joie. Alors ça, c'est bien vrai. Oh là là, qu'est-ce qu'il est grognon, celui-là. Il fait toujours la tête et il a toujours quelque chose de mauvais à dire. Moi, maman de Noé et Noé, j'aimerais beaucoup m'occuper des bébés. Ah, je sais, ma chérie, mais la prochaine fois. Aujourd'hui, c'est au tour de Noé, justement. Bien, alors les enfants, la classe va commencer. Pour le moment, les plus grands, vous allez avoir un temps de jeu libre, d'accord? Donc vous pouvez faire ce que vous voulez ici, dans le calme et le respect. Les plus petits, vous allez venir avec moi, dans le petit jardin d'enfants à côté. Maman, ferme la barrière, c'est bon? Oh non, attends ma chérie, attends. Je vais mettre Lara également, elle va venir avec nous. Vas-y, ouvre la barrière. Et on y va. Oh, mais dis donc Lara, tu as une petite mine, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Noé? Regarde, elle n'a pas l'air très bien. Tu sais, maman, moi, les bébés, je suis pas super douée en bébé. Je parle pas trop le bébé, je comprends pas. Lara. Attends, on va voir, maman. Je vais tester un truc. Lara, t'es vivante. Mais enfin, Noé, traite-la avec soin, avec tendresse. Tu sais ce qu'on va faire? Je ne la trouve pas très bien. Tu devrais l'emmener voir le flamant rose. Ah oui, le flamant rose, la mascotte de Super Bébé Land. Exactement, le flamant rose qui s'appelle Pinky. Oh oui, d'accord, je l'emmène. Allez, viens, on y va, on va voir le flamant rose. Alors, mon chéri, ça y est, tu as trouvé ton petit cheval.
ça a l'air de beaucoup plaire et hop là, il est tombé. Oh. Voyons voir, il est mort de rire. Écoutez-le rigoler comme ça. Quand je lui fais des chatouilles, il adore ça. Oh, quel coquin celui-là. Allez, viens. Alors, les enfants, regardez ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Une petite corbeille avec plein de peluches d'animaux. On va voir ce que nous avons par ici. Oh, toutes ces couleurs et toutes ces peluches toutes douces. Oh, j'adore. Voyons voir, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que cet animal avec ses grandes oreilles et cette trompe? Ah oui, c'est un éléphant. Exactement, Sergio, c'est un éléphant. Très bien, je te le laisse. Ensuite, un animal un petit peu plus difficile parce que dans la nature, nous n'en avons pas de cette couleur-là. Il est violet, mais dans la nature, il n'est pas violet. Il est plutôt noir, blanc, gris. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Oui, oui, je sais, je sais. Moi, c'est un raton laveur. Exactement, bravo, c'est un raton laveur. Superbe, Sarah. Ensuite, oh, regardez-moi ça, cette baleine. Quand on appuie dessus, elle fait du bruit. On va mettre la baleine avec notre petit cavalier là-bas qui adore faire du cheval. Mais qui sait qui est ce personnage? Tout le monde le sait. C'est Olaf de la Reine des Neiges. Et oui, il rigole aussi quand on lui appuie sur le ventre. Tout le monde rigole par ici. Nous avons une jolie girafe de ce côté. Oh, Noé adorait cette girafe quand elle était petite. Elle l'adorait avec ses jolis petits yeux qui brillent. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Mon bébé a bien grandi. Ensuite, nous avons un petit animal ici. Oh, celui-là, il est difficile. Il est difficile parce qu'il n'est pas non plus de cette couleur dans la réalité, dans la nature. C'est un lémurien. Et oui, on en trouve sur l'île de Madagascar. Et ceci, c'est un panda. Pandi, panda, petit ourson de Chine. Bon, je vais fermer la barrière, les enfants, et je vais aller voir Lara parce qu'elle ne se sentait pas très bien. D'accord? Je reviens, vous pouvez jouer avec tout ça. Maman, regarde, je suis en train de lui tenir la main parce que elle ne se sent pas bien, elle fait que de pleurer, même à côté du flamant rose. Je ne sais plus quoi faire du tout. Tu sais, maman, j'étais très tendre avec elle. Oh oui, merci ma belle, merci de me prévenir. C'est vrai qu'elle a l'air un peu patraque. Je vais l'allonger un petit peu dans nos petits lits pour faire une petite sieste et se calmer, d'accord? Alors, viens mon trésor. On va te mettre là, peut-être que tu es fatiguée simplement. Tu as peut-être mal dormi. Voilà. Oh oh, maman, on a un petit problème ici. Maman, viens vite, il y a un petit souci. Oh, elle est pleine de boutons. Oh, les enfants, les copains, n'oubliez pas de regarder le prochain épisode surtout. Hein. Mettez en commentaire ce que vous pensez qui va se passer dans le prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Super Bébé Land, c'est complètement gratuit et vous serez les premiers à voir les épisodes. Allez les copains. Oh là 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 là, coucou les copains, je suis trop contente de vous voir, mais est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Vous vous en souvenez? Ma maman, elle a remplacé notre professeur, là, Laura, à la crèche, et oh, regardez ce qui s'est passé avec Lara. Elle a plein de boutons qui lui ont poussé partout, et du coup, nous, on va devoir rester en quarantaine. Ça veut dire enfermé ici pour pas qu'on soit contagieux. Oh. Bon alors, est-ce que tu arrives à voir quelqu'un? Oh, mais maman, personne décroche. Attends, ça va venir. Ah, d'accord, ça y est. Oui, bonjour, je vous appelle depuis Noé, je vous appelle de la crèche Super Bébé Land. On a un petit problème avec Lara, elle a plein de boutons qui lui ont poussé partout. Si, elle a plein de boutons et elle pleure énormément, je pense qu'elle a mal, hein. Quoi? Il va dormir à l'école? Non, c'est pas possible, ça c'est pas du tout possible. Maman, elle dit qu'il va pas dormir à l'école. Attends ma chérie, attends, tu m'inquiètes, donne-moi le téléphone. Oui, bonjour. Oui, je suis la maman de Noé et c'est moi qui m'occupe des enfants. Oui, effectivement, elle a plein de boutons sur le visage, elle pleure. D'accord, oui. Donc, un virus qui dure 3 jours. Donc, il va falloir rester pendant 3 jours à l'école. Et je dois les séparer bien les uns des autres pour ne pas qu'ils attrapent la même chose que Lara. Oh là là, ça va être très compliqué, mais il va falloir que vous m'apportiez à manger parce que je n'ai pas suffisamment de nourriture pour 3 jours pour tous ces enfants et moi-même, hein. Oh là là, d'accord, j'ai bien compris docteur, oui, merci beaucoup.
D'accord. Génial! 3 jours à l'école, 3 jours à l'école. Wouh, j'adore l'école. Noah, et toi, tu es contente? Oh, il va falloir m'aider, hein. Ça va être vraiment compliqué de tout gérer. Bon, il faut que je fasse une petite reconnaissance médicale à tous les enfants. Allez, on y va. Bon, maman, s'il te plaît, laisse-moi leur annoncer la nouvelle. Vas-y, Noé. Alors, les enfants, l'heure est grave. Il y a un virus dans l'école et du coup, c'est un virus qui dure 3 jours. On va devoir rester en quarantaine ici, enfermés, tous ensemble. Quoi? C'est quoi ça, la quarantaine? Moi, j'ai pas envie de rester ici, j'ai pas du tout envie de rester dans l'école, là, dans la crèche, ça m'énerve. Ah, Malo, je comprends, mais ce n'est pas parce qu'on dit quarantaine qu'on doit rester 40 jours, d'accord? Le virus dure seulement 3 jours, mais on va déjà passer cette nuit et si tout va bien, on pourra peut-être partir, d'accord? Pas d'inquiétude. Oh, mais... que va-t-on manger? Moi, je n'ai ramené qu'une banane et ça ne va pas du tout suffire. Est-ce qu'on va mourir de faim alors, maman de Noah et Noé? Non, pas du tout, Mila, ne t'inquiète pas. Non, non, j'ai déjà tout prévu avec le docteur, ils vont nous apporter de la nourriture, ok? Pas de panique. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait aller s'occuper des bébés juste à côté, s'il vous plaît? Il faudrait veiller à ce que qu'ils soient sages. Oh, moi, je veux bien. Moi, d'accord, moi, j'y vais. Ah, merci beaucoup, Becca. Est-ce que tu peux faire bien attention à ce qu'ils soient occupés? Et à ce qu'ils n'échangent pas leurs tétines, etc. Qu'ils se lavent bien les mains avant de manger quelque chose, avant d'aller aux toilettes, parce que le virus est contagieux. D'accord? Oh, oui, d'accord, ne vous inquiétez pas. Oh, je vais très bien m'amuser avec eux, je vais bien m'occuper d'eux. Mais alors nous, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on va faire, maman de Noah et Noé? Oh, eh bien, tant que je fais passer la petite visite médicale à chacun d'entre vous, vous pouvez faire des dessins, d'accord? Dessinez ce que vous voulez, il y a tous les pochoirs avec les numéros, les animaux, les lettres. Je vous pose des crayons. Voilà. Il y a de la pâte à modeler, vous pouvez vous occuper. Du moment que vous êtes sage, vous pouvez faire ce qui vous plaît. D'accord? Faites un beau dessin pour Lara, peut-être que ça lui remontera le moral. Hop, des crayons ici. Et des crayons là. Et je vous appellerai chacun votre tour pour que je vois. Bien. Les loulous, Sarah, Lara, mon petit loulou, c'est Becca qui va s'occuper de vous, d'accord? Donc il y a tous les jouets, je vous ai ramené un coffre avec plein de jolis livres, regardez ça. Il y a le livre pour apprendre les couleurs, il y a le livre de Bouge ton corps pour tous les mouvements du corps, les parties du corps, il y a ce livre pour apprendre à compter et celui-ci pour savoir comment on se sent. Oh, j'ai l'impression que Dingo est très rigolo. Il y a les formes, etc. D'accord? Donc vous restez avec Becca. Elle va bien s'occuper de vous. Et je vous appellerai les uns après les autres. Oui, oui, ne vous inquiétez pas, maman de Noah et Noé. Je vais très bien m'en occuper. Ok, moi je vais m'occuper de Lara et après, comme celle qui est le plus malade. Et après, je reviens vers vous. Allez, à tout à l'heure, les enfants. Soyez sages, mon petit loulou. Soyez très, très sages. Oh non, 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 moi je n'ai pas du tout l'intention de tomber malade, hein. Je mange plein de fruits, plein de légumes tous les jours. Je suis très très forte, ma santé va très très bien. Oh, eh bien Mara, je suis sûre que tu n'auras rien dans ce cas-là, c'est parfait. Bon, alors, ce qui est très bien avec cette infirmerie à la crèche, c'est qu'il y a de tout. On est très bien équipé. Tu vas m'aider, Noah, du coup, ma chérie? Oui, maman, je vais t'aider. Je serai ton assistante. Tu vas mettre ces gants, non? Oui, effectivement, je vais mettre les gants. D'accord. Moi, je mets les gants et toi, tu mets le masque. D'accord, maman. Tu n'oublies pas, hein? Oui, 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 oui. Je vais mettre le masque. Très bien. Alors, voyons voir. Tu as ton masque. Il faut que je mette les gants. Hop. Voilà. Comme ça, on évite toutes les infections. Je peux toucher ces petits boutons sans avoir peur de la contagion. Alors, tu en as encore énormément, hein? Tu es un petit peu plus tranquille, tu pleures moins, ma petite Lara, là, hein? Oh, petit trésor. Alors, la première chose que le docteur m'a dit, c'est qu'il fallait que je regarde ses yeux avec cette petite lumière exprès. Alors attention, on ne fait pas ça avec n'importe quelle lumière. C'est une lumière de docteur qui n'est pas trop forte et que du coup, on peut mettre dans les yeux. Parce que n'importe quelle lumière qu'on met dans les yeux, oh, ça pourrait nous faire très très mal et laisser des blessures et des séquelles. Il ne faut pas faire ça, hein. Mais les yeux, œil gauche et œil droit, tout va bien. Oui, les yeux, les pupilles se dilatent. Bon, tout va bien. Il m'a dit aussi de regarder les conduits auditifs, c'est-à-dire à l'intérieur des oreilles. Voyons voir.
Oh, celle-ci est un petit peu irritée, elle est rouge. Aïe, 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 ça doit lui faire mal. Fais voir l'autre, ma chérie. Ah, celle-ci aussi. Bon, on va lui prendre sa température maintenant avec le thermomètre. Tiens, maman, le voilà le thermomètre, je l'ai. Très bien, merci beaucoup, Noah. Hop, merci, ma belle. Alors, voyons voir, vous voyez, c'est un thermomètre digital, il est écrit dessus. La température, on va lui mettre sous le bras, sous l'aisselle, et on attend que ça sonne. Bien, voyons voir, 38. Bon, ce n'est pas énorme, mais la pauvre a quand même un petit peu de fièvre. Pour la faire baisser, nous allons lui donner un petit peu d'aspirine. Oui, Lara, ça va aller. Pour les bébés, comme ils ne peuvent pas avaler de cachet, on leur donne avec une petite pipette comme ceci. Hop, à l'intérieur et dans la bouche directement. Voilà, trésor, ça va aller, ne t'inquiète pas. Généralement, il y a un goût de fraise, ce n'est pas mauvais, hein? Bien, je vais prendre ta tension. Hop. Allez, on va voir ça. On met ça autour du bras, nous allons presser sur la petite poire rose et nous allons voir si elle a une bonne tension ou pas. Tout est normal. Très bien, la tension par contre c'est correct, parfait. Et maintenant je vais écouter ton cœur. Oh oui, comme elle a un petit peu de fièvre, elle a du mal à respirer, c'est normal, elle pleure, ça va aller ma chérie. Ça va aller. Voilà. Maman de Noah et Noé, je crois que votre fils est malade. Maman de Noah et Noé, j'arrive Becca, j'arrive. Que se passe-t-il ma chérie? Oh, qu'est-ce qu'il y a mon loulou? Tu n'es pas bien, tu étais si heureux sur ton petit cheval à bascule. Alors. Oh. Oui, ça n'a pas l'air d'aller, tu as mauvaise mine. Oh, je vais te mettre dans un berceau là-bas pour que tu puisses te reposer, d'accord? Oh, mon petit loulou d'amour, viens avec moi. Voilà. Oh, ben oui, mon trésor. Je vais te mettre un petit peu de musique et tu vas te reposer, faire un petit somme, d'accord? Voilà, repose-toi. Maman de Noah et Noé, je crois que Mara est malade aussi. Oh, j'arrive, je reviens. Qu'est-ce qui se passe, Mara? Ça ne va pas? Oh, oh là là! Je crois que je n'ai pas mangé assez de fruits et de légumes finalement. Oh, tu sais ma chérie, les virus, des fois ça passe outre tout ça. Oh, je ne suis pas bien du tout. Alors viens, je vais t'emmener aussi dans le berceau et tu vas pouvoir te reposer. Voilà. Oh là là, j'ai mal partout. Aux bras, aux jambes, au ventre. Oh là 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 là. Je suis pas bien. Reposez-vous. Ne vous inquiétez pas, le docteur m'a dit tout ce que je devais faire pour prendre soin de vous. Maman de Noé et Noé, je me sens très très fatiguée aussi. Je crois que j'ai attrapé la même chose. Oh, trésor. Alors, allonge-toi également. Ah bah, dis donc. Vous faites une belle petite brochette de malade, mes petits loulous, là. Hein? Bon, il faut vous reposer tout d'abord. Et après, je viendrai vous donner votre médicament, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Oh là là, quelle épidémie, tout le monde est malade. Moi, je voulais regarder le match de foot cet après-midi. Oh là 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 là. Oh, regarde maman, je crois que Lara va beaucoup mieux. Regarde, elle n'a plus de boutons du tout, tu as vu ça? Oh oui, effectivement, le médecin m'avait prévenu que le médicament ferait effet vraiment très 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 rapidement. Mais elle a encore besoin de beaucoup de repos, tu sais. Oh, d'accord, qu'est-ce que tu en dis si je vais voir les autres bébés, voir comment ils vont? C'est une très bonne idée, Noah, vas-y, vas-y ma chérie. Merci beaucoup de t'occuper d'eux. Oh oh, maman, je crois qu'on a un léger méga super gros problème. Ils ont des boutons de toutes les couleurs. Et les copains de Super Bébé Land, à votre avis, que va-t-il se passer? Laissez-le en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Super Bébé Land. Vous serez les premiers à voir nos super aventures. Hey, salut les fans de Super Bébé Land. Comment ça va? Bon, aujourd'hui, on va faire plein d'expériences à la maison. Surtout, ne ratez pas la fin. Maman, on est rentrés. On est là. Eh, hey, bonjour ma chérie. Mais où est ta sœur? Oh, je pense qu'elle doit être dans sa chambre en train de se changer. Et toi, tu ne te changes pas encore? Tu as même ton sac à dos encore. Ton superbe cartable, licorne. Qu'est-ce que tu vas être? Tu t'en vas déjà?
Oh, eh bien, j'ai convenu avec Mara, tu sais, ma petite voisine, ma copine, de nous retrouver. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va faire un petit travail parce qu'à l'école, on étudie le système solaire. Oh, les planètes, les étoiles. Tu savais, maman, que la Terre tournait autour du Soleil et c'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. Tu le savais, toi? Tu te rends compte? Oui, alors je le savais, mais je suis ravie que toi, tu l'apprennes. Ah oui, j'adore apprendre sur l'univers tout entier. Du coup, je vais avec Mara. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai pas de devoir. Aujourd'hui, j'ai pas de devoir. Aujourd'hui, j'ai pas de devoir. Non, 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 non. Oui, oui. Ah, tu n'as pas de devoir. Tu es sûre de ça? Bah, oui, enfin, maman, suis sûre quand même. C'est moi qui vais à l'école. Tu as bien regardé dans ton cahier de texte, ma chérie. Oh, mais c'est quoi, maman? Qu'est-ce que c'est que cet interrogatoire? Tu me fais pas confiance ou quoi, enfin? Hein? Oh, je te dis que t'es pas de devoir. Non, c'est juste que comme ta sœur a un devoir de science à faire... Le devoir de science! Oh, t'as raison, maman. Oui, t'as raison. Ça m'était complètement sorti de la tête. Oh là là, c'est vrai, le devoir de science. Bon, moi, je dois pas le faire sur le système solaire comme Noah. Je dois le faire sur une expérience à la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire comme expérience à la maison? Oh là là, je sais pas quoi faire. Attends, je vais aller chercher la boîte d'expérience. Oh, une boîte d'expérience? On a ça, nous? Oh, on a une boîte d'expérience. T'es sûre qu'on a une boîte d'expérience? Bien sûr, enfin. Je la gardais un petit peu cachée parce que je vous connais. Oh là là, super! Une boîte d'expérience! Une boîte d'expérience! Mais on va faire quelque chose. Oui, je vais la chercher tout de suite, d'accord? Mais tu vas les faire avec moi, hein. Tu ne les fais pas toute seule, pas question. D'accord? Bon, je reviens tout de suite. D'accord, d'accord, maman. Mais est-ce que Hugo peut le faire avec nous? Parce que il aime beaucoup les expériences aussi, lui, mon petit frère. Il pourrait s'amuser. Il est petit. Tu feras attention à lui en même temps qu'à toi? Oui, bien sûr. Ok, super. Bon, alors, c'est d'accord. Ouais, je vais faire fait, mon petit frère. Wouh! Alors, est-ce que tu veux faire des expériences avec nous, Hugo? Tu veux t'amuser avec ta sœur? Oui. Noé, bébête. Noé, bébête. Oh! Il a dit que j'étais bête? Oh! Oh! Tu as dit que j'étais bête? C'est ça que tu dis? Non. Noé. Belle, Noé. Belle. Très, très belle. Oh là là. Je crois qu'il se moque vraiment de moi. Il commence à peine à parler, celui-là, qui me dit déjà bébête. Et dis donc, attention, sinon tu vas pas jouer avec moi. Oh, si. Jouer avec Noé. Ah, tu vois, jouer avec Noé. Ah, il m'adore. Bon, d'accord, mais suis-toi la bouche parce que là, t'as du chocolat partout. Oh là là, t'es dégoûtant. Ah, chocolat partout. Arrête de répéter ce que je dis enfin, Hugo. Allez, va te nettoyer. Et voilà, mes loulous. Ah, c'est... Hugo, tu as du chocolat partout. Oui, je lui ai dit, maman. Bon, d'accord. Moi, tant pis. Alors, voyons voir notre caisse d'expérience, tout ce qu'on peut faire. Nous avons déjà différents petits tubes à essai, juste là. Chacun a une couleur différente, vert, rose, jaune et orange. Alors, chacun est fait pour une expérience. Ça, c'est le gel de Cendrillon que je t'ai offert à ton anniversaire. D'accord? Avec du gel, on peut faire du slime. Ça pourrait être rigolo. J'en dis que du slime? Oh oui! Sans mon enquiquinante de sœur? Oh oui, maman! Du slime? Dis donc, comment est-ce que tu parles de ta sœur, Noé? Sois gentil, s'il te plaît. Hugo, est-ce que tu veux faire du slime aussi? Oh oui. Bon, il n'est pas contrariant au moins. Tout lui va. Alors... Ma chérie, tu ne peux faire d'expérience de science sans être équipée comme une scientifique. Alors, pour toi, j'ai ici la blouse de la scientifique. Hey, qu'est-ce que tu en dis? Avec une jolie petite fraise dessus, des licornes. Tu vas l'essayer? Tadam! Oh, tu as vu, maman? Elle me va parfaitement bien. C'est magnifique, magnifique. Je suis une vraie petite scientifique. Oui, je vois ça. Alors, hop, assieds-toi. Oh, j'adore les blouses de scientifique. Et regarde, j'ai ces lunettes pour te protéger les yeux. Et oui, très important. Alors, attention aux couettes. Et voyons voir ce que ça donne. Waouh! Attends, maman, c'est pas très bien mis. Oui, attends, deux secondes. Hop, les couettes, le masque. Et voilà. Oh là là,
dire que je pensais que ces lunettes étaient des lunettes de piscine et en fait c'est pour faire des expériences de science. Oh, j'adore cette journée maman. Alors voyons voir ce qu'on a encore. Donc nous avons de la colle mélangée à des paillettes si éventuellement on veut faire du slime et qu'on veut le décorer doré, argenté et rose. Juste là. Ensuite, pour faire des expériences, c'est très important d'avoir des verres doseurs pour savoir quelle quantité nous mettons, quelle quantité nous mélangeons, etc. Alors, par exemple, 10, 20, 30, hop, comme ça, tout est gradué et on ne se trompe pas. Oh, les vrais scientifiques, tu as vu ça, Noé? Oh oui, maman, j'adore! Oh là là! On devrait avoir plus souvent des devoirs comme ça. Oui. Bon, oui, mais pas tous les soirs quand même, hein. Et voilà, de ce côté, nous avons un petit peu de colle. Hop, dans les deux. Alors, dans le rouge, dans le verre doseur rouge, nous allons faire notre mélange, d'accord? J'ai ramené ici du bicarbonate de soude, hop, qu'il faut mélanger. Hop, une cuillère. Et on va utiliser ce qu'il y a dans ce tube à essai orange. Pour l'instant, je manipule et après, c'est toi qui vas le faire, d'accord? Oui, oui, maman, vas-y. Moi, je te regarde, je t'admire. Hop, un petit peu de orange, de paillettes orange. Et voilà. Est-ce que... Hop, on mélange. Un petit peu d'eau. Juste ce qu'il faut. Voilà, ça devrait aller jusque-là très très bien. Est-ce que tu veux prendre la suite, ma chérie? Tu veux mettre ce qui suit dedans? Allez, tu vas participer un petit peu, d'accord? Ah oui, maman, c'est à moi de le faire, tu as raison. Il faut que je participe. Je suis quand même une scientifique, l'assistante de la scientifique en chef. Il faut que je participe. Exactement, allez. Allez, on verse. Allez, hop, c'est parti. Allez, encore un petit peu. Encore, maman? Encore un tout petit peu. Oh, ça fait une bulle. Oui. Et voilà. Oh là là, mais maman, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir, ma chérie. Alors, ensuite, on mélange encore. Hop. On va lui donner une petite touche finale pour qu'il soit... de deux couleurs. Allez, du slime bicolore. Est-ce que ça te dit? Du jaune? Oui, du jaune. Alors, attends. Du orange. Hop. On avait mis du orange déjà tout à l'heure. Oui. Et un petit peu de jaune. Voilà. Allez. Voyons voir ce que ça donne, cette petite expérience. Hop, il faut le durcir un petit peu plus. On mélange. Je crois que ta première expérience, mademoiselle la scientifique, est un véritable succès. Et voilà. Oh, tu as vu ça, Noé? Ouah, maman, on a fabriqué du slime. Oh, j'y crois pas. Regarde, oh, c'est trop cool, je pourrais le refaire avec mes copines et tout. Évidemment, ma chérie. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oh, est-ce que c'est visqueux et gluant comme du slime? Bleah. Ça a l'air tout à fait visqueux, oui. Bon, ça nous fait des petits grumeaux, mais les couleurs sont là. Le orange et le jaune. Oh, tu as fait ton slime, ma chérie. Alors, Hugo, et toi? Ça te plaît, mon grand, le slime? Hey, regarde ça, tu as vu cet aspect tout visqueux? Ouh, c'est froid et gluant. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, moi j'aime beaucoup le slime. Oui, j'adore le slime. Encore maman, encore. Oh oui maman, merci. Je suis la plus grande scientifique du monde. Oui, je suis la plus grande scientifique du monde. Je fabrique du slime. Je suis la reine du slime. Wouh! Oh! Bon, attendez là, on a sonné à la porte. Ça doit être ta sœur qui revient de chez les voisines, d'accord? Ne bougez pas, je vais ouvrir. Elle va être jalouse, j'en suis sûre. Oh! Qu'est-ce que vous avez fait? Vous,
Vous avez fait des expériences de la maison, mais qu'est-ce que vous avez fabriqué, maman? Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait du slime. Du slime? Oh non, maman, moi aussi je voulais faire du slime. Mais pourquoi vous m'avez pas attendu enfin? Oh non. Mais ce n'est pas grave, tu vas pouvoir en faire avec ta sœur. Toi, tu avais ton exposé à faire et tu étais avec les triplés. D'accord? Tu vas en faire avec ta sœur, je lui ai tout expliqué. Oh, mais je voulais le faire avec toi, maman, enfin. Oh. Et arrête un petit peu. Ta sœur est la chef des scientifiques aujourd'hui. Oh, la chef des scientifiques! La chef des scientifiques, vraiment! Oh bah ça, vraiment, elle a trop de chance! Oh, arrête un petit peu, Noah. Vous changez, d'accord? Vous échangez de rôle. Là, c'est elle la chef. Demain, ça pourrait être toi. Vous ferez une autre expérience. Oh, d'accord. Allez, montre-moi comment on fait. Ok, grande sœur. Regarde, prends vent de la graine. Alors, un petit peu de paillettes, beaucoup de savon. Hop, du savon, du savon. Ça, bon, sa maman, elle en a pas mis, mais je pense que ça va être super cool. T'inquiète, aie confiance, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais. Et hop, on remue, on remue, on remue, on remue, on remue encore. Oh, 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 oh. Bon, une petite explosion. Bon, c'est vrai que sa maman ne l'avait pas mis, ou peut-être que j'ai trop remué, j'en sais rien. Maman, on a un petit souci. Maman, un petit... Oh. Un petit souci, elle dit. Un petit souci. Et vu tes cheveux, c'est plutôt un gros souci. Oui, on dirait bien une scientifique. Une scientifique complètement folle. On dirait Einstein. Bon, il faut avouer que là, c'était un peu chaotique quand même, les copains. Noah a raison. Mais je vais continuer à étudier beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être une vraie scientifique. Laissez en commentaire si vous aimez mes nouveaux cheveux. Et abonnez-vous à la chaîne, les copains de Super Bébé Land. C'est complètement gratuit. Vous serez les premiers à voir notre super épisode. Bon, demandez à vos parents quand même, hein. Faut l'autorisation. Allez, des gros, gros bisous. Et on se voit très bientôt, les copains. Très bientôt pour de nouvelles aventures de Super Bébé Land.